Bonsoir tout le monde. Salut les gens et ceux qui regardent la VOD. D'ailleurs, faut que j'envoie l'autre VOD. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Salut à Lucas, salut Scar the Martyr, prof. Tous les modos sont présents. Oui. Ah, bon bah il y aura... Je vais essayer d'uploader quand même la miniature, mais... Enfin, la VOD de la miniature, mais à mon avis, il va y avoir des strikes audio. Comment ça? Bah il y a déjà des pistes audio désactivées sur le live. T'es vraiment fier de ton titre là, le ça va être chaud. Vraiment. Et pourquoi pour remettre des noms? Non, c'est moi, c'est parce qu'il manquait la majuscule et ça me perturbait. Oui, non, mais pourquoi vous mettez des noms alors que j'en avais déjà mis un? Ah, d'accord, c'est pas toi qui l'avais mis le mais non. Ça va être chaud. Non, non, c'est. Prof. Ils sont dissidents, non, les modérateurs, ils changent de titre. Mais en fait, c'est prof qui a un humour de merde, c'est pas toi, d'accord. C'est merdique à souhait. Ah bah oui, je veux bien te croire. Vous confirmez, maître? Oh, c'est nul. Très nul. Salut Lolbru. Salut Lolbru. Salut Resnonsant, Laxkid, Ikakaros, pardon. Kakaloto. Non. Mais si. Elle dit que c'est super chaud sur super haute. Salut Scar de Martyr. Alors, tac. Je n'ai jamais lancé le jeu, hein. C'est une vraie découverte. Parce que d'habitude on fait des fausses découvertes, on ment aux gens. Ah, des fois tu sais, c'est genre t'as déjà fait. T'as déjà fait 10 minutes du début et des trucs comme ça. Là, j'ai juste jamais lancé. D'accord. D'ailleurs, ça se trouve, il va bugger et ne pas se lancer. Ikaros comme Ikaros de Sonano... Qu'est-ce que c'est que ça? Solano Otoshimono. Mais en plus caca. D'accord. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, on ne reconnaît pas. Alors je vois que le jeu essaie de se lancer, mais... Ah, voilà. Select monitor, screen 1, screen 2. Je sais même pas lequel est lequel. Donc tu vas me le foutre en 1600 par 900 en windowed, et j'aviserai. Language français. Start super hot. Vous avez fini de changer le titre toutes les deux secondes. Vous êtes lourd. J'avoue, j'ai déjà essayé un peu le jeu, je comptais que je compte montrer en live. Je compte sur vous pour voter dans le choix des items de fin de niveau, Killing Room. C'est vrai que Killing Room, j'ai pas joué du tout. Ah mais il y a le jeu, il se lance et tout. Salut Pablo Paro. Capture de jeu vite. Un super streamer sur un super jeu, les babels de la vie. Un super streamer. Ouais, c'est moi le super streamer. Il y en a qu'un. Encore raté, mais évidemment que c'est Max. Tu ne sais toujours pas. Prof est un enfant, oublie.
T'as joué à Super Hot? J'ai jamais vu un jeu pareil. Non. J'aime bien. Je marque non, ça marque quoi? Va sur le site de l'éditeur et joue à leur jeu. C'est un FPS de ouf. Putain, il est Je en. testerai sur ton drone. La mise en abîme de jeu. Pourquoi? Parce que c'est. On me parle dans le jeu comme si c'était un terminal de PC. D'accord. Bon, bah t'as, je t'aime aussi. Bah d'ailleurs, Super bien. Max, si t'as besoin d'aide pour comment régler OBS, t'as Ça va déjà. te faire foutre. Non, c'est déjà. Déjà, même sans que j'ai besoin de tripatouiller quoi que ce soit, sur le site d'OBS, t'as une espèce de calculateur, tu mets ton débit et ta résolution, et il te montre comment le régler. Sur le site officiel. Donc, c'est déjà si ça peut aider un peu. Vas-y, lance Super Hot. Time Locker gratuit, mais je crois qu'il est seulement dispo pour les pommes. Ah bah ouais, mais on n'est pas Apple, nous. Oui. Bouger avec WASD. Alors déjà non. Et oui, ces matins vont rentrer dans la matrice. Oui. Est-ce que le live est lancé? Oui. Bah bien sûr. Évidemment que oui. Évidemment qu'il est lancé, il y a des drops. J'attends toujours de recevoir la signature du PDF. Tu vas attendre longtemps, mon gars. Je suis obligé. Je peux pas changer les touches? Quelle horreur. C'est quel bouton déjà pour changer le clavier en américain? Alt entrée. Non, à l'entrée c'est plein écran. Merde. Si, il y a Shift dedans, je crois. Contrôle Shift. Non, Ctrl Alt Shift c'est pour mettre les codes dans les Sims. Je sais pas. Je sais plus. Oui, il me semble que c'est Merde. Alt Shift, mais ça va. Oui, Alt Maj, mais il veut pas. Salut, salut, Mo. Non, il veut. Même si je fais un don ce soir. Mais. Avenchi, nous ne faisons pas de la prostitution. Déjà, on fait ça gratos, hein, c'est plus sympa. Et ensuite, parce que vous faites des dons, vous pouvez tout exiger de nous. Attends, je te veux avec des mitaines, comme ça, je t'aimerais comme Aélix et son clavier bleu turquoise et sa souris turquoise. Mais j'ai des mitaines en plus! Elles sont pas aussi classe, mais j'en ai. Ils s'appellent les matériaux Helix des PD, c'est les appeler des putains de dieux. C'est ça. Salut Fire Poulet. Et The Salut. Slendy Boy. Putain, mais pourquoi je peux. Le lock physique. Mais j'ai en fait, j'ai. Non, j'aurais aimé. J'aurais aimé changer les contrôles du jeu parce que ça va être compliqué d'avancer avec W. Hein. Et de la prostitution gratuite. Bah, c'est pas de la prostitution du coup. Une prostituée ne paye pas en nature. C'est un cercle vicieux. Putain, mais je suis obligé d'avancer avec W, quoi. Oui, je sais. Tu as quel Windows déjà? Windows 10. Ah, c'est. Beaucoup trop. Oui, c'est beaucoup trop fort.
sur les cendres de la nuit, sur son fidèle Arcane PCA, la main, sa redoutable carte bleue dont le code est... Non mais je vais pas le donner. Les abonnés, les tipeurs pensent que c'est un fou, mais tout ça, il n'a que faire. L'impensant, c'est vous les rageux, et les sceptiques disent que c'est du baratin. Mais le seul son qu'il laissera dans son siège sera un assez long combien. Ça, il s'est fait chier à écrire tout ça. Oui. La Cup, site de rencontre depuis 1870. On a au moins créé deux couples. Oui. Et un troisième indirectement, mais sans passer par notre chaîne, n'est-ce pas, Max? Je baisse le son du jeu. Voilà. Tu peux pas reconfigurer les touches, au pire quitte le jeu, shift alt et retourne dans le jeu. Mais je viens de le faire en dehors du jeu et ça ne fonctionne pas. Salut, oula. Monsieur Epidinan. Je sais pas. Salut à toi. Audi, chers amis. Ça, c'est... Oui. C'est pas facile. Hein. Mon couple va très bien, merci. Non, mais j'ai pas dit le contraire. J'ai dit que c'est en partie grâce à nous que ce couple s'est formé. Je dis bien en partie. Mais on a réussi complètement à créer un couple dans la modération. Oui. Ah, petite fierté quand même. Oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien qu'on puisse aider. Même à ce niveau-là, crève. Voilà. Moi, je me suis fait des copains sur votre live. Ah bah, c'est cool aussi. Par contre, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je ne suis pas là. Merde. C'est pas le retour vidéo. Non, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas taper dans ton micro pour autant. Ouais, mais... Putain, mais il c'est... est noir. Gratuité. C'est... Non seulement c'est pas... Non seulement c'est très difficile de jouer en WASD, mais en plus, les balles sont très lentes. Ah, on avait fait du King Floor avec toi, c'est vrai. Vous avez un couple de modos? Oui, Crash. C'est Prof Excello et Eve. Et là, Trigger Crash. T'es pas obligé de viser la tête, forcément, tu sais. Bah, j'ai l'habitude, en fait. C'est parce qu'il est skillé aussi, là. Je viens, prenez votre temps et je meurs instant parce que je vais trop vite. Je suis sain de Mata ou Boule, je ne sais pas. J'ai parié qu'à la fin, Elise va rager. Il me semblait pas qu'il était rageant ce jeu pourtant. Il peut vite le devenir. Oh la putain, les bugs. Il peut vite le devenir, je pense. D'ailleurs, elle devient quoi, Eve? J'ai l'impression qu'elle est pas là depuis quelques jours. Bah, elle a parlé tout à l'heure. C'est même elle qui a demandé pour le... Dans la modération? Oui, c'est elle qui a demandé si on allait refaire des lives réguliers. Ah putain, j'ai même pas vu qui avait lancé le message, bravo. Ouais, bah, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça que tu la vois pas. C'est parce que tu lis pas qui poste. Mais je sais pas lire. ça explique. Le monde est trop hostile pour moi. Vous avez de la PS4? Non, parce que ça coûte cher. Mais un jour, PS4, pourquoi pas? J'avais bien aimé d'ailleurs. Est-ce que je peux vous demander comment vous renseigner sur les droits d'utilisation de certaines bandes son, comme les musiques? Bah, on se fait piner. On vérifie si on se fait piner, en fait. Voilà. Mais de base, on va piocher dans les banques sons où c'est sûr et certain, en bien se renseignant, que la musique est libre de droit totalement. Genre, bah, ce que tout le monde utilise, c'est Kevin MacLeod, mais on est tombé aussi sur des remixes de musique qui avaient l'air complètement libre de droit, donc on les a utilisés. Et par exemple, pour la musique d'intro du Ça va vite, c'est un remix de Kirby Island. Non, Kirby Dreamland. Dreamland, oui. Dreamland, oui.
J'ai contacté directement le compositeur en lui demandant, voilà, on aimerait s'en servir comme, comme musique de générique, on a même prévu de monétiser nos vidéos, est-ce que ça te dérange? Il m'a dit non, je veux juste être cité. Et donc, celui qui a composé la musique d'intro des Ça va vite, pas du tout pour les Ça va vite à la base, bah, il est toujours crédité dans la description des vidéos, à la fin. Aïe. Oh, c'est triste, un jour. Mais t'as arrêté l'école au CP. Bah oui, j'arrivais pas à lire. Où est le pistolet? Viens là. Tu parles à ton pistolet? Oui. Enfin, le plus inquiétant serait qu'il te réponde. Oui, c'est vrai. Putain. Non. De quoi non? Plus de munitions. Tu vois. Ah putain, j'ai foncé dans la balle. Par exemple, mais y a personne dans le chat qui sait comment on change les touches du jeu parce que c'est. Le jeu n'a pas l'air de prévoir lui-même qu'on puisse avoir un clavier AZERTY. Ah. Tais-toi. Ah non, merde. Ça suffit au bout d'un moment. Oh. Vous fait à l'audace. Ouais bon, je prenais l'exemple des extraits de Jojo que vous utilisez. Oh, les extraits de Jojo, ils sont pas assez longs pour qu'ils puissent nous emmerder. Pareil, quand j'utilise des extraits de Kaamelott ou des musiques connues genre Rammstein, c'est vraiment quelques secondes et c'est un truc qui est dans les textes de loi qui s'appelle le droit de citation. Oui. C'est un certain pourcentage d'une bande son non libre de droit que vous pouvez utiliser complètement librement, mais c'est un faible pourcentage en durée. Quoi. Genre, si jamais je veux réutiliser un bout d'une musique de Rammstein qui fait 3 minutes, si j'en utilise 5 à 6 secondes, j'ai complètement le droit. Quoi. Et si on se fait strike, on peut même faire une réclamation comme quoi nous on est dans notre bon droit. Elix est si hot que dit dans le titre du live pourquoi pas la sextape. Mais Avenchi c'est un putain de gros pervers en fait. Du coup tu viendras nous voir en MP mais essayez pas de grappiller la sextape avant les 100 000. Ça marche pas comme ça. C'est ça. Gros câlin. Techniquement tu as le droit d'utiliser ce que tu veux tant que c'est moins de 30 secondes. Non c'est pas 30 secondes, c'est vraiment un pourcentage selon la durée totale du morceau. Je sais plus combien exactement je l'ai noté, ça doit être quelque part dans mes cours de production, mais j'ai oublié. Putain, il a complètement esquivé celle-là, quoi. Putain, mais pourquoi je suis enrhumé comme ça, moi? Attendez. T'aurais pu mieux de ton micro aussi. Non, moi je tiens à tout partager avec nos followers. On ne cache rien à nos followers. Si on veut pas d'ennuis avec les followers. Je ne terminerai pas cette phrase. Cette citation. Y a pas de quoi être fier. Je l'ai pas vu venir celui-là. D'accord, le temps compte alors, c'est genre moins de 5 secondes. Bon écoutez, je vais juste trouver parce que là ça va me gaver sinon. Alors, droit de citation. Musique. Le droit de courte citation même. Alors, France. Blablabla. Français. Là, lorsque l'œuvre est divulguée, l'auteur ne peut interdire sous réserve de blablabla. Des analyses courtes citations justifiées dans le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre. Le droit de citation est gratuit et autorisé. Alors si vous faites de l'information ou de la critique, ou c'est pédagogique ou scientifique, vous avez complètement le droit.
En pratique, blablabla, du droit de contestation permet de prendre de citer un passage d'une œuvre à condition que la longueur de la sonnette soit limitée à ce qui est nécessaire à la compréhension. Ça m'aide pas du tout. Ça m'aide pas du tout. Mais c'est un pourcentage normalement. Bon, pour les gens loi et les gens droit hein, que ça intéresse, hein, je vous laisserai chercher vous-même. Moi, j'ai la flemme. Le jeu, il coûte combien ? Je sais pas, mais vous pouvez l'avoir pour 2,50€ sur un pack G2A en ce moment. Donc du coup, c'est le droit de courte citation. Et ça change selon les pays, donc faites gaffe. C'est un peu plus tard, je serai preneur par rapport à ce fameux pourcentage. Je prépare mon émission. Je te laisserai chercher par toi-même, parce que là, je vois pas du tout. La dédicace de Materia. Comment ça? On peut dire qu'Elix est la personne la moins qualifiée pour affronter l'agent Smith. Pourquoi? Je sais pas. Je ne cache rien à vos followers. Avez-vous un compte en Suisse? Mais non, on n'a pas de compte en Suisse. Ne comptez que du fromage et du chocolat. Oui. Salut Eve. On serait pas jalouse. De quoi tu parles? Je ne sais pas. Et bonsoir. C'est cet horrible bonsoir. Putain, mais vous êtes con. Vous êtes con. Oh là, putain, j'ai le jeu en fichaille. Ah. Que croyez-vous? What? Des fois, je me balade sur le général de votre Discord et je pense que vous avez légalisé le cannabis, ce qui n'est pas une mauvaise idée. C'est pas de notre faute si les gens ont des délires pas possibles des fois. Ouais, vous avez regardé ce que vous avez envoyé, les annonces. Les annonces. Ah putain, je l'ai encore dans mes favoris, je l'ai pas encore regardé celui-là. Et ça me gaffe, je suis enrhumé alors qu'il n'y a pas de raison. J'ai pas besoin d'une raison pour être enrhumé. Non, je suis pas sorti de chez moi. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui est venu et qui t'a enrhumé. Mais même pas. C'est-à-dire vous êtes lourd là. Alors Eve apparemment serait papa, donc je ne savais pas que Crash était enceinte. Crash est enceinte de Eve, très bien. Il s'en passe des choses. Je ne jugerai pas. C'était quoi ça? De quoi? C'est un espèce de gargouille bizarre. Je sais pas. Vous savez, pas assez de sexe, on se enrhume très vite alors. Ah oui. C'est surprenant venant de toi, une fuite, une malventilation. C'est pas. Après, j'ai la fâcheuse tendance à vite mettre du chauffage dans ma chambre et de rester au même endroit avec. Donc c'est peut-être pas très bon. Oui, mais bon, t'as bien vu. T'as bien vu la même vidéo que moi, c'est pas... Le rhume, c'est un virus, et t'attrapes pas ça parce qu'il fait froid. Oui, mais on dit rhume par facilité. Mais les changements de température, ça influe complètement, ça. On l'appelle comment, le bébé? Rion. C'était quoi les noms à la con de gosses de MV? Théodule et Masturbin. Masturbin, c'est pas mal. Ouais. Et Masturbin, il me semblait que ça venait du Raptor Dissident. Je sais pas. Eh bien, c'est très simple, mon petit Jean Masturbin. Et il y a aussi je sais plus. Il avait un nom de fille bien nul aussi. C'est... Je me rappelle plus, mais c'est un truc dégueulasse.
Au fait, je vous ai piqué le principe du calmez-vous. Toi aussi. C'est des gènes d'orage. On va populariser le calmez-vous. En même temps, le calmez-vous, c'est pas notre, c'est un de nos délires principaux, mais on l'a pas inventé. Ça vient de je fais chez les gens. Oui. En soi, on s'en fout hein, que les gens le réutilisent. Oui. Bah, c'est un extrait de Psychose à Gougou. Oui. Alors on spawn ? Vous spawnez, monsieur. Je le vois dans vos yeux. Il m'a spawné dans le dos, surtout, en fait. Ça serait quand même plus simple si je pouvais me déplacer comme je veux. Parce que là, je vous assure que depuis tout à l'heure, je suis en train de... J'ai les doigts sur WASD. Sur un clavier à la française. À mon lieu d'études, j'ai popularisé le nique-toi. D'accord, c'est sympa. Nique-toi, j'ai entendu d'autres personnes l'utiliser avant nous, mais je ne saurais plus dire lesquelles. Je sais même pas quel délire on a vraiment inventé, nous, bon, on parle... Non, même pas le... Si, on a un genre de agro-gro, mais en soi, il y en a d'autres qui ont déjà utilisé cette phrase, quoi. Il est pire où, le pré-shot, sur Hitman ou ici? C'est pas pareil. Mais il est bien dégueulasse dans celui-là, quand même. Il y a pas à chier, la forme maîtrise, elle est juste trop bien. Non. Mais si. Ce bien, c'est que les ennemis, on peut les... On les one-shot pas avec un coup de poing, mais eux, oui. Eux, ah ils oui. Te one-shot. Le pouic-pouic. C'est vrai que le pouic-pouic, ça vient de nous. Moi, je suis triste, j'ai pas eu de live anniversaire. On a pas fait de live exprès, non. Désolé. On fait pas de live exprès pour les anniversaires, sinon on devrait faire un live tous les jours. Oui. Putain. Il faut retourner sur le bureau et faire un mage et convertir le clavier AZERTY en QWERTY. Oui, c'est ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Cric comme Liquid Snake, pouic pouic. En fait, c'est vrai que beaucoup de vos délires viennent d'autres références, mais c'est l'ensemble qui fait l'originalité. Oui, c'est un peu ça. Oui, bah, en même temps, on peut pas tout inventer, hein, c'est pas possible. Bah non. Puis en soi, c'est un peu con de se revendiquer, ouais, mais ce délire, il vient de nous, etc. quoi. Mm. Comme le délire qui était vachement populaire, je sais pas s'ils l'ont inventé, il me semble que oui, sur le 18-25, c'est le Broken Game. Quand Super Connard et Farod Game, non, c'était pas Farod Game, c'était un autre, ont réutilisé ce délire pour certaines de leurs vidéos, ils étaient comme des dingues. Regardez, ces connards, ils nous piquent nos délires et tout, mais c'est incroyable, mais ils étaient complètement sérieux en plus. C'est ils nous piquent nos délires. Ouais. Et après les gens sont fous. Super.
Pouic pouic, c'est là que je dis depuis longtemps pour caractériser quand je touche quelqu'un quelque part. On t'a volé ton délire, oh. Quand ton rêve a eu le sien, je pensais que vous m'aimiez pas comme modo. On te déteste. C'est clair et net. Nous n'aimons pas le modo Profexello, il est chiant à crever. Les patates de forain, hein, oui. Ah oui, là c'est complètement les patates. Hein. Référence x10 plus personnalité et quelle originalité. Oui, c'est sûr. On va bien arriver à créer nos propres délires. Oui, bien sûr. On l'a peut-être déjà fait sans le savoir. Bah le agro-gou, tu l'as déjà vu autre part. Bah le mot agro-gou, ça a déjà été utilisé par l'équipe du grenier, il me semble. Je sais pas du tout pourquoi. Et ça vient de South Park aussi. Enfin, ouais, mais on pensait pas du tout à ça. Mais oui, mais ça vient pas de là, de chez moi, donc. Je tiens à souligner que ce n'est pas Pixel Land. De quoi? C'est regardable du coup. C'est regardable? Parce que c'est vrai que je veux dire, les gens n'ont pas l'air de se plaindre de la qualité du live. Donc c'est soit qu'ils sont habitués, soit qu'ils en ont rien à foutre. Ouais, les deux cas, c'est triste. Ah d'accord, c'est pas un fusil à pompe à deux canons. Eh ben non, j'ai... Non mais, bon déjà Pierre, il faut demander l'autorisation avant de poster un lien. Et puis surtout, achetez pas le jeu directement, il y a un bundle à 2,50€ avec le jeu dedans. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous n'écoutez pas, vous êtes des enfants. Putain, lui il préchote par contre. Mais du coup, non, le agro-gros, je l'ai pas pris. Je l'ai pas sorti en référence au JDG ou à South Park. Hein. Agro-gros, c'était dans JDG par exemple avec le comics agro-gros, je suis méchant, encore South Park et Butter. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas du tout pensé à ça. Les greniers, c'était pour une réplique de méchant, oui, c'est ça. Je suis un enfant communiste. Vous êtes dissident. Je suis un enfant qui regarde JDA et MG. C'est quoi ça? Le pack est à 1,50€ sur la page d'accueil. Oui, si tu prends l'abonnement mensuel. Le premier mois est à 1,50€. C'est hyper frustrant dans un Kingdom Hearts quand tu termines un chapitre et comme récompense de fin de chapitre, t'as un rapport d'Ansem. Parce que tout le monde s'en fout. C'est enfin, du non. Lore même pas un peu intéressant, on s'en branle. Je me rends compte que je suis bien bavard ce soir, mais y a pas de souci. Y a aucun souci. C'est moi où la balle de billard vient de s'exploser sur lui sans lui faire mal. Il a l'air bien trippant le jeu. Il est sympa, mais il est un petit peu... Il a un peu cet effet Super Meat Boy où tu dois mourir 40 milliards de fois de suite. Bah oui, clairement, faut s'y faire aussi à la mécanique du jeu. Et aussi c'est le fait que j'ai pas le jeu dans la... Attends. Ah, mais je peux utiliser les flèches directionnelles, ça va être tellement plus simple. Bah monsieur Ebidjan, je t'invite à faire des dons si tu trouves qu'il n'y a pas de sous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de sous, quoi? Il dit, il n'y a pas de sous ici. Comment ça décider les fusils à pompe? Oui. Vous jouez plus à Chivalry? Je pensais à m'y remettre un petit peu parce que j'aime bien ce jeu quand même.
D'accord, donc moi je peux tirer 2 balles avec, mais lui il peut en tirer 40 000. Oui. Oh, putain. Pardon, pardon, c'était une réponse. Mais non, ça va. Arrêtez de vous excuser pour tout et n'importe quoi. Assumez vos conneries. Vous pouvez pas paraître insultant. Mais non, mais. Franchement, il nous en faut un peu plus pour prendre mal les choses, hein. C'est moi où la page pour donner marche pas. Ah bon? Ah bon? C'est pas de moi en fait, en tout cas. Je sais pas. Essaye de faire un faux don, voir si ça marche, au moins les sons. Ouais bah alors attends deux secondes. Parce que c'est faut que j'aille sur le site et tout. Sinon j'ai loupé quoi? Non pas grand chose, je parle de tout et de rien. Alors, attendez. Alors calmez-vous, c'est une fausse donation, c'est juste pour voir si ça marche. Hein. Oui bah attends, c'est pas tout de suite. Hein. Faut quand même le temps que j'aille le chercher le bidule. Tu te dépêches. Hop, Twitch alert. Génial, c'est comme ça. Tu fais sur quel serveur Chivalry? N'importe lequel qui a pas trop de ping et qui a de la place. Mais je suis pas mauvais à Chivalry. T'inquiète pas. Putain, ils ont encore changé. À venir. Ils ont encore changé le site. J'ai baissé mon pantalon et j'ai monté mes faits. C'est donc ça un méfait, oui. Les vrais refs. Hein. Test donation. D'ailleurs, c'est Mambo qui me l'avait rappelé cette blague de Pérus. Max, je sais pas si tu vois laquelle c'est la différence entre un pneu québécois et un pneu français. Je suis mort à chaque fois que j'y repense. J'en sais rien et ça n'a pas l'air de marcher. Le site est en PLS ce soir? Je sais pas, il me dit qu'il envoie les trucs, mais... À moins que ce soit l'airbox qui est changé, ou je ne sais quoi. Attends, copier, attends une seconde, je vais modifier le truc de l'airbox, on va voir s'il a changé. Propriété... Non, il a même pas l'air d'avoir changé. Ah si, il a peut-être changé, attendez. Hop. Et on maintenant... est même pas au courant, nous. Bah, en fait, le site vient de changer aujourd'hui, donc... Salut Harry Look. Le Québécois s'excuse. Non, non. Ah, tu la connais pas, celle-là. En même temps, je crois que c'est dans les vieux 2 minutes du pop, ceux qui sont vraiment avec l'accent québécois. Et ça, le pneu québécois, il crie, c'est le français, il bordel de merde. J'adore cette blague. Elle est débile. C'est pas mal. Et à chaque fois que je repense, je suis mort de rire. Et ça ne... Parce que vous êtes un... Si vous... Peut-être... vous pouvez ne pas la comprendre si vous n'êtes pas un peu familier avec les Québécois. Attends, save settings. On va essayer. Test follow. Ouais, alert box ne marche pas ce soir. Attendez, je vais essayer avec une alert box externe. Super rion. Super fur. Ouais, non, même avec une alert box externe, il ne se passe rien. C'est bizarre. Attends, je vais regarder parce qu'il y a eu un don qui a été fait. J'en sais rien. Non, j'ai pas l'impression. Enfin, dans le doute, faites pas de don, ça a pas l'air de marcher. Bah, dans le doute, je vais garder le dashboard sur le côté s'il se passe quelque chose, mais si tant est qu'il fonctionne. C'est bizarre quand même. Je sais pas, ils sont peut-être en train de changer le site, donc ça merdouille. On retestera plus tard. D'ailleurs, j'ai même pas lu, du coup, c'est pas pixelisé, c'est regardable ? Je ne sais pas. Bah, personne a l'air de vraiment se plaindre, donc ça a l'air regardable. Mais... Attendez.
Voilà. J'ai été ban pour rien. Ah bon? T'as été ban? Je sais pas, pas moi, hein, c'est Ansatsu qui dit ça. En même temps, je sais pas d'où déjà tu parles de te faire ban. Parce qu'avec ta tendance à troller pour un oui pour un non, ça te prend au coin de la gueule à chaque fois que tu dis qu'une connerie. Mort en tapant l'ennemi, quoi. Est-ce que c'est ça? On dirait une petite manifestation. Ouais, c'est parce que c'est un produit révolutionnaire. On se fera un live où on écoutera les 2 minutes du pop. Je crois que niveau droit, par contre, on pourrait pas. Je sais pas ce qu'il y a comme droit sur les 2 minutes du peuple. Ah, oh, ça doit être soumis quand même à un truc. Je lui demanderai directement, vu qu'il m'avait répondu une fois, Pérus. Oui, je sais plus ce que tu avais dit, mais... Enfin non, c'était pas lui directement qui m'avait répondu, c'était une fille qui s'occupait de ses affaires, simplement, enfin, de la communication avec lui. Mm-hmm. En fait, je lui avais envoyé un mail en demandant simplement... entre les originaux des 2 minutes du peuple et les versions exportées en France, il y a un énorme écart d'accent, et c'était tellement énorme, je me demandais si c'était bien lui qui doublait la version française. Et il m'a répondu, oui, c'est bien lui qui fait la version française, et j'étais sur le cul. Parce que vraiment, son accent, il l'a balayé totalement dans la version française, quoi. Oui, c'est vrai. Tu sens que le mec, il est très fort, quoi. En fait, c'est parce que les Québécois, ils font exprès d'avoir un accent à la con, ils se forcent. Ouais. C'est juste pour emmerder les Français, tout à fait. Voilà. Jaloux, non, je suis fatigué qu'on me confonde avec Kimno. Mais en même temps, tu utilises le compte Strangeno. Crée-toi un compte Max Stranger et on arrêtera de te confondre. Changement de Pérus parce que si tu écoutais le Kenetan Polisson, ça entraîne, crois-moi. Je vois pas de quoi tu parles. C'est moi qui arrive pas à suivre, je ne sais pas. Je sais pas, moi je suis en train de regarder mon replay. Une fois j'ai question, je me doutais que le changement de Pyrrhus. Si tu écoutes le canton polisson, ça entraîne. Tu as bien fait de poser la question. Je doutais aussi sur le changement de Pyrrhus parce que si tu écoutes. Bon, bah, j'ai envoyé un don, voir si ça marche. Je vais regarder ça. Bah là, en tout cas, sur Alertbox, on a rien du tout, c'est très bizarre. Ouais, mais j'ai regardé sur le site, en fait. Non, mais dans le doute, faites pas de dons, parce que nous, on a moyen de faire des faux dons, voir si ça marche. Et ça se trouve, c'est en maintenance où ils font des changements ou quoi, donc... Ouais, attendez. Dans le doute, ne faites rien. Très dommage. Non, pas pouite. Non, pas Pouit. Non plus. Mister Jean-Jacques, bon, moi je le vois. Je le vois sur le dashboard. Et même si je fais repeat, ça n'a pas l'air de vouloir le lancer. Bon, bah,
Au moins le dashboard fonctionne, donc je vais le pop-out et je vais voir quand il y a quelque chose qui bouge derrière. Hop. Tac. La souris qui se coince pas dans le jeu, c'est extrêmement énervant. Y a pas moyen de le prendre de vitesse. Oh putain, mais c'est casse-couille ce truc. Alors j'ai jamais tiré autant de balles, mais comme tu veux. No, they didn't. Ah d'accord, j'ai tiré avec une balle sur une balle. C'est belle une fille. Bon ben, s'il n'y a pas d'alerte, non, je reporte mon don spécial. Je crois que c'est ça, c'est bon, ça. Ne pas faire de don, le vidéaste ne ferait donc pas ça pour l'argent, tout n'est que tromperie. Oui. Il y a forcément qui se lancent là-dedans que pour l'argent. Les vidéastes font ça parce qu'avant tout ça leur fait plaisir, mais de là à dire que les dons ça a pas d'importance, c'est pour moi oui. C'est Oui, non, c'est débile. C'est faux quoi. Recevoir des dons pour parce que les gens aiment ce que tu fais, ça fait toujours extrêmement plaisir, on va pas refuser des dons. Mais faut surtout que ça aide quoi. Voilà. Mais c'est pas tout blanc ou tout noir, il n'y a pas 100% passion ou ceux qui font ça absolument que pour le pognon, quoi. Il y a des nuances. Je trouve ça quand même bizarre que tout le monde ait besoin et le droit de vomir sur tout le monde sauf moi. Bah, déjà, si tu te plains de ban ou de quoi que ce soit, tu le fais pas ici, s'il te plaît. Les putaclics qui font du story time. Bah, ça dépend, les story time peuvent sûrement intéresser des gens, mais ne le faire que en mode putaclic, oui, c'est un peu con. Perso, je fais des tutos en vocation de Belzébuth juste pour transmettre ma passion. Bien joué! Ça arrondit au fin de mois, carrément. Bah, sachant que on n'a pas vraiment de fin de mois, de quoi que ce soit, on n'a pas de rentrée, donc c'est notre seule rentrée d'argent, donc c'est. Ça fait plaisir. Voilà. Disons que nous de base, on est très contents de faire ce qu'on fait et d'avoir autant de retours. Et si en plus, on peut avoir des cadeaux pour ça, mais c'est génial. C'est. Je trouve pas le mot. C'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau de pognon. Le gâteau de pognon. Ça doit pas être très bon. Non. Ah oui, il faudrait essayer de trouver un sample Monsieur Krabs pour le pognon. Pour les nouveaux dons. Le pognon. Putain, mais tu le fais vraiment bien, je trouve. T'as été doubleur de Monsieur Krabs dans une autre vie. Et le pognon. Perso, je vais.
Bon bah le mot de passe, c'est pas le mot de passe. Je crois que le mot de passe, tu le trouves au pif au bout d'un moment, parce que j'ai marqué super hot, point d'exclamation et une lettre au pif, et ça a marché. Mais le jeu, il fait exprès de bugger. Ils ont craqué le C'est du système. colorant couleur de pognon. Les gens qui galèrent et qui ont des heures sup en sachant que vous faites ce que vous vivez avec. Non, on vit pas de ça. Hein. T'inquiète, nos vidéos, on n'en vit pas. Hein. Non. Le MDP, c'est rien au bol. Oui, ça doit être ça. Non. Putain, je l'avais. Je l'ai mal vu, lui. Bon, go les plus. Donc, à plus la chèvre. À plus, je suis satanique. J'ai jeté un coup d'œil à YouTube, j'ai pas vu de pognon, désolé. Ah bah, à votre niveau, pas encore. C'est normal. Nous, il a fallu attendre je sais pas combien de temps pour avoir un premier virement YouTube. Je sais C'était pas, super long. 8 mois, je crois. Nous vous voyons. Mais le jeu, il fait n'importe quoi. Le jeu, il se veut beaucoup trop méta. Je parle de la vidéo avec le mot pognon, espèce d'obsédé du fric. Mais c'est toi qui les précises pas assez. C'était la vidéo Max Payne. Qu'est-ce qu'il y a? En gros, parce que dans le jeu, tu joues à un joueur qui joue au jeu. Et en gros, Ouais. je joue. En gros, j'ai réussi à jouer un morceau du jeu où je suis pas censé avoir vu. Et du coup, ils m'ont piraté mon PC dans le truc. Et quand je tape à quelque chose à quelqu'un, ils modifient le message pour que ce soit pas ce que je dis. D'accord. Comment c'est trop de la mise en abîme, t'as vu? Ça se voit par contre, la traduction française a été faite par vraiment des Français parce que y a aucun traducteur automatique qui peut marquer ouais, Osef, allez. Y a aucun jeu qui te marque Osef de base, quoi. Tiens, nouvelle vidéo de je suis pas content. Ah, encore.
C'est qui qu'on prend place la gueule, ce coup aussi? Non, c'est les dates de tournée Comedy Club et nouvelle série dès après-demain, la vidéo du jeudi 08. Mais... C'est meurt, puis... Allô? Une femme, allô? Le jeu vient de me traiter de bon chien. De quoi? Le jeu vient de me traiter de bon chien. Parce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Bah oui, bah tu le remercies, tu fermes ta gueule. Bon chien. Vous ne pouvez rien faire. Ouais. Et ton personnage, c'est un chien en même temps. Bah oui, mais... Envoyez le voler. C'est comme le personnage d'Hermine avec Mr. Flesh, c'est complètement un chien. Il me semble, oui. Assume ton rôle de chien. Après le personnage d'Hermine, ça ne le représente pas lui. C'est une assistante. Non. Oui, je sais. Là, je sais pas si tu regardes ses vidéos de base. Si. Mais la nouvelle vidéo qu'il a sortie, je crois que c'était ce matin ou hier, elle est très sympa. Le... In a nutshell, là. Le ? Le... Hors système... Oui. Je l'ai pas encore regardé, non. C'est assez marrant. Et le taux de révision et tout. J'espère que ça l'a aidé, quand même, le salut Internet, parce que lui, il mérite plus, quand même. Je pense que ça l'a aidé, mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de cons qui se sont ramenés, quoi. Oh. Ils repartiront, hein, si ouais. Ça leur plaît pas. N'hésitez pas à m'envoyer des infos si vous voulez que je vous présente à la Japan Touch. Mais complètement, mais vas-y. Go. Ah, nous, on est complètement chaud, donc je t'en prie. Mais j'arrive pas avec ton pseudo, hein. Ebijinan. Non, j'arrive pas vraiment, désolé. N'hésite pas à m'envoyer un MP sur Discord ou Twitter si tu veux en reparler. Y a pas de souci. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a? Les niveaux commencent à devenir durs. Ah oui, mais le jeu il devient assez chaud parfois. Sans mauvais jeu de mots évidemment. Oui. Mal feu, je crains donc les types au sol roche combat résistance type plante feu. Qui est fait? Bah ouais, d'ailleurs, t'es le seul. Je suis le seul. FB ou Skype, ça serait pas mieux. Non, ça doit être les deux trucs qu'on aime le moins. Après, FB, mais... les MP, on les voit. Oui. Donc, mais Facebook, oui, mais Skype, c'est pas la peine. Mais si tu veux nous parler directement via en vocal, je t'invite à rejoindre Discord, c'est infiniment plus simple. Il y a eu un don là ou quoi? Bon. Non. Je crois pas, j'ai rien vu en tout cas. Hein. Non, ouais, ça a l'air de déconner ça. Non, y a rien sur le dashboard. Le dernier truc date d'il y a 10 minutes et c'était le don test de Mr. Jean-Jacques. Quand les dons vont arriver, on va en avoir 30 d'un coup. Pas du tout. Non, parce que les dons ils arrivent, c'est juste qu'il n'y a pas la notif, donc pour le moment ça n'a pas d'intérêt. C'est quand même plus sympa quand on voit ce que les gens ont voulu marquer comme conneries. Tu seras dispo demain en fin de journée. Sûrement, oui. Oui, sûrement. Après tu diras ça à Breath of the Wild.
C'est vrai que tu le reçois demain, toi. En théorie, ouais. Sachant que tu vas être très joyeux sans te levant. Bah, s'il est là, oui. Allez, on croise les doigts. A priori, il devrait être là, mais le problème, c'est que les colis privés, c'est des branleurs, donc... C'est un peu moins prestigieux du fait que tu ne l'aies pas sur, sur non, Switch, non, mais quand j'ai, même. J'ai pas la Switch. Non. C'est sur Wii U, mais c'est, ça a l'air aussi bien. S'il est aussi bon qu'on le dit... Oui, c'est sûr que si, s'il est à la hauteur de... De ce, que, ce qu'on en dit, ça va être pas mal. C'est pas mal. Putain de... Moi, c'est surtout pour avoir mon combien au ralenti. C'est juste pour ça. Ouais, ça serait quand même dommage de faire un don pareil quand les notifs ne marchent pas. Bah oui. Bah au moins, Alix saura comment bien bander un arc. Ah oui. Ça va, les jeux où il y a des arcs, généralement, ça va. Vous allez faire du live Breath of the Wild? Alors non, pour deux raisons. C'est que déjà, on n'a pas le boîtier, enfin la carte vidéo pour. Et ensuite, on n'a pas du tout la connexion pour que ce soit regardable. C'est-à-dire que si jamais, par miracle, on a le boîtier ou la carte vidéo pour streamer ça, ça va être regardable parce que ça va pixeliser de tous les côtés, parce qu'on a une connexion de merde. Donc, pas du tout. Mais si je pouvais, oui, bien sûr, je le streamerais. Bah évidemment. Putain, ça nous changera tellement la vie le jour où on aura une vraie connexion. Mm. Mais niveau stream, on pourra faire vraiment ce qu'on veut, quoi. On sera encore tributaire de la puissance du PC un temps, mais oui. Ouais, mais ça va carrément nous enlever plein de trucs chiants, quoi. Vous avez quoi comme débit? De la merde. 350 kbs, un truc comme ça. Enfin non, c'est l'envoi qui est important. Oui, c'est l'envoi. On voit, on a à peu près la même chose, et je sais plus combien c'est. En brut, environ 100-120 kbps. Ouais. Et ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc du coup, dès qu'on fait un jeu qui bouge un peu trop à l'image, ça pixelise direct. D'ailleurs, là, je suis quand même assez surpris que Super Hot soit regardable. Hein. Toi, faudrait que tu me dises ce que tu vois. Je peux essayer de vous joindre sur Discord actuellement. Bah, pas maintenant, là, mais... Bah là, maintenant, tout de suite, si t'as un truc à nous envoyer en MP, oui, mais tu vas pas nous appeler direct, vu que on stream. La connexion en polystyrène. Bah oui. Nas, c'est pour l'essai, pardon. Pour l'essai. Ah, pour voir si Discord marche. Mais je me suis fait tuer par quoi, la bordel? No More Roaming Hell en live. Bon, on l'a déjà fait ça il y a un moment. Bah pas en live. Si. Ah non, No More Roaming Hell, je confondais avec le jeu de hacker. Ah oui, non. Je sais pas, le jeu nous a pas... Nous a pas marqué. Bon, tu crèves toi? Je quitte un live pour bah, un autre live. Salut Lunachu. Lunachu, je ne sais pas. Bienvenue sur ce nouveau live. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste j'en ai marre de me faire tuer par des balles qui me passent au-dessus de la tête.
La mienne de quoi est pareille, je compatis. Je vais dormir, à plus le peuple. Salut Sandy Boy. Et B. Niveau de port. Et encore, t'as l'air d'être au début du jeu, donc à mon avis, il va y avoir bien plus des trucs compliqués par la suite. Je sais pas, j'ai. Sur les quelques vidéos que j'avais vues, ça allait déjà pas jusque-là. J'espère que vous l'aurez vite. Nous aussi, on espère avoir vite la fibre. Ça nous limite trop dans ce qu'on a envie de faire dans les streamings, rien que les live présentations de chaîne. Ouais, je viens juste de rentrer du boulot. Salut Tanuki. Salut. Bon, je vous abandonne ce soir, mais quand les alertes de dons seront à nouveau opérationnelles, je reviendrai et à ce moment-là, vous ne serez pas prêts. Illidan, quoi. Je vous prêterai bien ma fibre, mais c'est tendancieux. Non. Beuh, ça lag. Bon. Quelqu'un a parlé de Bayonne. Oui, c'est Max et Eno, ils vivent à Bayonne. Effectivement, il y a peut-être un petit peu le chat qui a bugué sur l'overlay. Ah bon? Regarde leur tour. Il y a vraiment leur site qui est en PLS à Twitch Alerta. Bah là, je vois pas parce que je veux pas bouffer du Tnaco. Bah, il y a écrit erreur 501, web server is down. Bah, à plus, je suis désolé pour ta connexion. Sur l'overlay. Edix qui tente même pas les headshots, petit joueur. Bah c'est qu'au bout d'un moment, c'est un peu long, quoi. Non, au secours. Mourez, chien, non. Aïe. Ah, t'es obligé, en fait. Bon chien, mais ça suffit. Je vous laisse, messieurs, je contacterai après à voir quel est leur gars. Ça marche. Merci à toi. Hein. Si ça aboutit, c'est vraiment top. Ce sera pour voir un stream pas chiant. Ah bah, barre-toi. Ici, on s'emmerde. Erreur 502. Oui, oui. 521, d'ailleurs. Ah non, moi, je suis 502. Ah, et oui, il y a le 502 qui est venu dire bonjour. Attendez. La vidéo qui montre le nouveau champion sur Overwatch. Ouais, oui. Ça a l'air pas mal.
Chat. Je vais me perdre des nouilles instant entre. Je reviens. Soyez sage. Jamais. Non. Fais péter je crois les qu'il y a une nouvelle vidéo de Kixama. Ce live était une erreur. Pourquoi cela? J'aime bien quand j'essaie de récupérer le flingue d'un mec et que ça le tape au lieu de récupérer le flingue, donc du coup ça me fait mourir. Paf. Ce jeu en speedrun, il doit être trop classe. Il doit être extrêmement dur, surtout. Oui, j'avoue. Putain de merde. J'aime bien frapper avec un katana avec un mec devant moi, mais ça l'a pas touché. On se croirait dans Morrowind. Mais c'est parce que t'es nul là. Mais bon Dieu, ça a l'air compliqué. C'est vrai que c'est pas un jeu très commun, mais le but c'est que le temps n'avance que quand je fais des actions. Voilà. Et ça te paraît de faire des enchaînements super classe. Mais ça reste dur. Oh mon Dieu, il m'a tiré au-dessus de la tête, ça m'a tué. Et si c'est vraiment au-dessus de la tête, pourquoi t'es mort, hein? Bah, visuellement, c'était au-dessus de la tête. Et là, ouais, c'était au-dessus de mon épaule gauche. Markiplier y a joué hier, elle. J'imagine pas le bordel. Ouais. C'est marrant, ça. Ça doit être très difficile pour les gens qui font les victimes. Oui. En même temps, n'importe qui peut potentiellement avoir joué récemment à ce jeu vu qu'il reste toujours très populaire.
super hot, 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 super. Je vois pas comment on pourrait le faire en IRL, ça. Je sais pas. Tain. Ils te mettent un accessoire pour ralentir le temps. Ah bah oui. Putain la vache, celui-là il va être compliqué. Surtout je crois qu'on, parce qu'on peut pas se, on peut pas s'accroupir. Je suis 1v3 sans arme dans un... dans un ascenseur. Mais merde. Alert box n'affiche plus l'erreur 502 déjà, j'ai l'impression. Parce que je l'ai coupé. D'accord. Je peux pas tout, je peux pas taper le mec au bout, quoi. Non. D'accord, je crois avoir compris. J'adore le gros texte, le texte en gros plan qui t'empêche de voir le replay. Oui, le super hot est un peu chiant. Vous ne savez pas ce que vous faites, mais... Regardez bien. Nous observons votre appartement. Et si on dit non, le jeu qui veut pas te laisser déconnecter, tu veux quitter le jeu, il fait non. Ah, tu voulais quitter le jeu? Mais moi je veux toujours jouer avec toi. On peut vous garder pour toujours. Ah, j'ai pas eu le temps de voir le truc qui s'est passé. Qui s'est passé? J'ai spammé échappe pour pouvoir quitter le jeu et au bout d'un moment il a bien voulu. Ce n'est pas un simple jeu. Quitter. Oui. Quittez tant que vous le pouvez. Non. J'aime bien, c'est que je marque non et ça marque ok, j'ai compris. Je ne relancerai plus superhot.sz. C'est bon, bah c'est la fin du jeu, au revoir. Non. C'était court. Oui. Donc évidemment, on leur dit non. Baissez-vous, mais je peux pas.
Y a pas d'armes à porter. Tiens, dans la bouche. Putain, il s'est fait gêner par son pote. Ah, il y avait un pote derrière. Enfin, un pote, un ennemi. Seulement, j'ai lu baisez-vous. Putain, mais évidemment. Baisez-vous. Je ne relancerai pas Superhot.exe. Elle dit que je joue un jeu non Steam Superhot.exe. Il fait un peu ce qu'il veut le katana, franchement. Le katana, c'est un peu de la merde. Mais dans tous les jeux, c'est bien le katana, normalement. Bah oui, mais là, il fait un peu ce qu'il a envie, quoi. Et là, en fait, c'est de la merde. Ok. Ah, il était pas mort, l'autre. Il s'est pris un katana dans le torse, il est pas mort. Version polie de nique-toi. Abusez-vous, c'est pas plus poli. Hein. Non, c'est même quasiment aussi littéral. Le retour du tel était cassé. Ben oui, oui, je sais. C'est moi qui l'ai enlevé parce qu'il était cassé. Ouais, j'ai un téléphone. Tiens, un téléphone. Il est où le pistolet de ce merdier? Il y a un coup de téléphone pour toi, c'est ça, tiens. Paf. Je vois avec PayPal que vous me faites des dons, mais ça ne s'affiche pas sur l'écran, hein, c'est buggé. Bah à la limite, tu peux les dire à l'oral, mais je sais pas si c'est une phrase. Bah, si le site est encore buggé, je la verrai pas la phrase. Je vais voir après. Donc navré si vous avez fait des phrases et tout avec ça. Attendez, je vais voir. C'est quoi le grand mystère de GTA V? Parce que si tu parles des easter eggs, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, pardon. C'est Lord Da Vinci qui a fait test 1-2-1-2. On va réessayer de remettre l'alert box. Attendez. Tac. Alors la chatbox est toujours buggée, je crois. Ouais, la chatbox est toujours buggée et l'alert box. L'alert box a l'air de remarcher. On va voir. Attends. Non, c'est de la merde. Je vois, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde en branche.
Justement, on sait pas trop le rapport entre les ovnis et la base militaire, le fait qu'on... Non, mais cherche pas, hein, c'est... Faut pas faire d'association entre les easter eggs, hein, ce sont des easter eggs isolés. Il y a jamais eu deux grands mystères pour un GTA. Ah oui, les théories, c'est toujours intéressant, mais... Tant que c'est pas confirmé par les créateurs, moi, je m'intéresse pas trop aux théories, quoi. Presque fini mon travail, GG. De la merde en branche, il y aurait un arbre à merde. Non, mais c'est juste une expression AMV. C'est de la merde en branche. Putain, mais... Non, mais crois pas ça tout de suite, Pierre, parce que oublie pas que les leaks soi-disant... comme quoi, il y a des secrets ou quoi, les développeurs adorent faire ça sur dans tous les studios possibles. Hein. Parfois, c'est juste pour entretenir le mystère et l'hype chez les joueurs. Moi, je suis plutôt dans la catégorie grand sceptique dans les théories et les mystères en général. Je pensais que tu visais mieux les têtes que ça. Bah, je sais pas, j'ai fait... À part aux pompes, j'ai fait quasiment que des headshots, donc je sais pas ce qu'il te faut. Ah non, la mitraillette, j'ai fait au corps, c'est vrai. Vous aviez pourtant promis. Rendez-vous visite. Vous aviez pourtant promis quoi? Que je relancerai jamais superhot.exe. C'était dans le jeu, hein, c'était pas. D'accord. Putain, c'est. Vous allez apprendre à la dure. Formidable. Voyez si ça fait mal. Je vois, j'ai grave la dalle. Je t'en prie, va donc te sustenter. Ce dernier toujours qui fait un double, hein? Ce dernier tir, pardon. Oui, le dernier tir a fait un joli doublé. Si vous pouvez, partez. Vous souffrez d'un trauma crânien, allez à l'hôpital, rien de tout ceci ne s'est passé, votre histoire s'achève ici. Ça me dit, est-ce que c'est dans un arbre à merde avec des petites poupes et on fait une transgénèse avec l'arbre YouTube et ça fait des YouTube poupes. Je suis fier de ta blague. Je pense, oui. J'ai grave la dalle, va donc te sus, bug.
Ah ouais, mais toi, toi, tu ne gardes que les certains bouts des phrases. Tu ne gardes que si ce qui t'intéresse, quoi. Forcément. Nous en avons déjà parlé. Ne détourne pas nos propos, je te prie. Je ne garde pas le sexe, putain. Espèce d'obsédé. N'oubliez pas, nous vous surveillons. Toujours. Et le jeu s'est vraiment coupé, du coup. Et du coup, j'ai fini. Ceux qui ont déjà fait le jeu, vous pouvez m'aiguiller. Je vais tenter de le relancer, voir ce qu'il me dit. Il te dit merde. C'est possible. On va pas se mentir, c'est possible. Espèce d'obsédé, merci, c'est gentil, toi aussi. Il y a pas de quoi. Pardon. Je ne peux même pas m'entendre, j'écris ça seulement pour moi. Je n'arrive pas à penser au jeu, je suis seul. L'enrhumage est total. Je suis triste, ma bière est vide. Et moi, elle n'est pas vide, parce que je n'en avais pas. Non. Et du coup, tu es triste. Le système vous affranchira. Le système vous formatera. Il y a des amateurs de cosplay dans le chat. Ah, bonne question. La bière, c'est une lèvre radieuse. Ouais, c'est ambrée aux accents d'agrumes et de graines de coriandre. Elle est un peu forte, entre guillemets, hein. Par rapport à de la lèvre, j'entends. Et 8,2. Sympa, mais c'est pas ma préférée en lèvre. D'ailleurs, faudrait que j'en rachète. Je sais pas, c'est toi, t'es tranquillement en train de te parler de parler d'hier alors que le jeu me faisait n'importe quoi. Appuyez le hot switch. Y'a pas un autre bouton. La cerise, c'est pas bon. Mais nique ta mère.
En tout bien tout honneur, bien sûr. Mais... un cosplay du roi d'Hyrule, c'est trop bien. Oui, c'est trop bien. J'en avais déjà vu un, hein, ouais. C'est trop la classe. Mais la bière à la bière, c'est... Enfin, la bière à la bière, c'est trop bien. Ta gueule. Martin, viens boire. Enfin, viens boire. La bière à la cerise, pardon, c'est vachement bon. Oui. La bière à la bière. Service de chambre. Putain. Ma maman. Pardon. La bière à la cerise, c'est pas de la bière. Bah non, c'est de la bière à la cerise. C'est complètement con de dire ça, ça reste de la bière. La bière de... Trappistre. C'est quoi ça? Bah c'est les moines qui font de la bière. Je me viens notre lunatique avec ce cosplay. Oh la classe! La classe! Vache, la balle qui m'est arrivée dans la gueule. Tiens, prends la théière dans la gueule. C'est méchant. Ouais, mais il s'est pris la théière dans la gueule. Tiens, le Minitel. Mais je me suis fait tuer par quoi? Oui. Il y a peut-être un ennemi qui me spawn dans le dos. Oui, vas-y là tout de suite. Mais putain, mais vas-y. Le Minitel, pas le Militel. Et tout le monde le Minitel. Pouni et Little. Putain, les vieux bails, hein. C'est quelque chose. Ça me dit quelque chose, ce truc.
Bah, c'est la vidéo avec Mambo sur les quiz. Oui. Oui, Eve, c'est une vraie abonnée. Avec le mini pain vu. Oui, c'est celle-là, oui. Je ne connais pas les gens à droite, à gauche, j'ai vu qui ont voulu prendre une photo avec moi. Mais ce cosplay est trop bien. Il est trop classe. Mon petit. Je crois que je l'avais déjà vu. Salut Baléchette. Bonsoir. C'est la Suisse avec 4 petites Suisses. À toi, quand ça parle de petits Suisses, ça te plaît. Hein. C'est pas que je vous aime pas, mais je vais essayer de me fighter avec mon insomnie. Bye. Bon courage, Gizmo. Et bonne nuit, du coup. D'outils ici, une perceuse. Aïe, mais j'ai vu la perceuse. Nah. Le sommeil, c'est pourquoi lui tous les vrais guerriers, évidemment. Je mettrais bien la photo de mon cosplay d'NG TF2. Si un, je l'avais encore, si deux, j'avais pas envie de me faire time out. Mais Pierre, je vais te demander à l'avance si tu veux poster un lien et on te permite. Après, si t'as plus la photo, ça va être compliqué. C'est bon. Putain, c'est pas juste. Non.
Mais je me suis encore fait tuer par qui, putain? Oh, mais il arrête pas de spawner à droite. Et de voir cette après-midi la fameuse vidéo du jeu qui dit rien. Il n'y a pas beaucoup qui connaissent. Là, il y en a qui pensaient que c'était toi qui l'avais fait le bruit. Le fameux cosplay d'ingénieur, tu l'as quand même bien réussi. Hein. Je vise le soldier et le médic pour Eno avec nos cosmiques personnalités du jeu. Si tu veux, je t'enverrai les photos de moi en soldier et d'une amie à moi en médic qui avait super bien réussi son cosplay, si ça peut t'aider et donner des idées. On est passé pas mal de temps, on était bien content du résultat. Eh bien. Pourquoi certaines personnes préfèrent les femmes à petit sein? C'est l'effet plat. C'est beau. Placebo. Oh la trrr. Tu mériteras un time-out, hein. Parce que tu sois pas noir, pas de bague racine, merci. J'aurais essayé de te faire coller un lance-grenade dans un sticky launcher. Ah, recevoir un sticky launcher, ce serait trop la classe. D'accord, bonjour. Salut Willixies. Salut. Oula, pff, c'était quoi ce... De quoi? Putain, mais j'ai appuyé le... Tout ça parce que je peux pas jouer avec les touches de base, quoi. Merde. C'est chiant. J'adore ce merde. Parce que je suis obligé de jouer avec les touches directionnelles et je dois appuyer sur E des fois. Et le problème, c'est que quand tu bouges pas, des fois, le jeu, il est au ralenti. Il est en fait, il est juste très ralenti, il est pas arrêté. Je peux être un lien, je pleure d'ailleurs sur une vidéo à la con depuis 10 minutes, j'ai besoin de partager au plus grand nombre. Ce qui était attendu sous l'ombre, alors Willixies. D'accord, il y avait quelqu'un dans mon dos, je crois. Ça a intérêt à être drôle.
La photo avec Lunatic, elle est trop classe. C'est quoi cette vidéo? Le seul cosplay qui me botterait, c'est Léona. Problème, je suis un homme, mais c'est ma waifu. Pas grave, tu tentes quand même. Il est où ce compte, dernier truc? Il est où? Putain de fils de pute, quoi! C'est quoi ce mec en calbute avec son iPad pour filmer la scène? Mais c'est ridicule! Mais c'est ridicule! Mais... Putain de... Mais le fait que... C'est chiant ça le... Parce qu'en fait quand tu bouges pas, le temps il est pas vraiment stoppé, il est juste extrêmement ralenti. Donc des fois il y a des... Tu peux pas faire des trucs vraiment au millimètre. C'est pas non plus la vidéo la plus drôle du monde, mais c'est marrant quand même, je trouve. Bah, je choisissais encore, qu'est-ce que je viens de faire? Timeout AX pour vulgarité de rage in-game. Essayez de le timeout. Allez-y. Oui. Je vous regarde. C'est un cerveau. Vous êtes notre outil maintenant. Utilisez-nous. Grâce à vous, nous allons détruire l'ennemi de l'intérieur. Besoin de plus d'informations, oui ou non? Oui. Compris. Il y a un texte de genre 4 pages qui vient de passer en une seconde. Dernier appel. Allô? Okay.
lui, il savait déjà que j'allais venir là, quoi. Rush pas. Non, mais j'aime bien le mec qui savait que j'allais me téléporter sur le corps d'un ennemi, quoi. C'est juste qu'il est trop fort. Putain de merde. Pourquoi es-tu si régulier enfin? Parce que le jeu fait n'importe quoi. Black Malsen, pourquoi les pendaisons étaient acoustiquement par les employés de France Télécom? Ils sont pendus au plus. Oh là là, c'est dégueulasse. C'était pas bien. Ouais, c'est ta faute, t'es trop prévisible. L'ordinateur calcule tes mouvements à l'avance, c'est mathématique. Oui, mais il devrait pas pouvoir calculer le fait que je change de perso. L'esprit est virtuel. Moi, je serais un employé de France Télécom, j'entends une blague pareille, je me pends. De rage, de colère. C'est... Ah ouais. Ah, vous le prenez comme ça. Ah putain. Visible. Oui, mais je ne peux pas switch et sauter. Alors quand j'ai la moitié du... Quand j'ai la moitié des mouvements du jeu que je ne peux pas utiliser parce que les gars qui ont codé le jeu sont pas foutus de foutre un truc pour changer les commandes, c'est pas forcément de ma faute. Je trouvais pas de ta faute. Billet s'il vous plaît. De quoi? Le jeu m'a dit billet s'il vous plaît. Parce que je suis dans un niveau dans un train. Et tu l'avais ton billet? J'en sais rien. Tu fraudes? Non, c'est juste que je sais pas, ils m'ont téléporté dans un train, donc je sais pas si j'ai un billet, j'ai pas regardé mes poches. Le corps est jetable. Vous entendez par là? C'est jamais... Non, c'est dans le jeu. C'est jamais la faute de personne dans ce monde. Si, c'est la faute des codeurs. Qui ne me laissent pas changer les touches. Bricoleur, moi ça dépend quoi. Le seul moment où j'étais vraiment bricoleur, c'était pour faire mon cosplay, mais je bricole pas trop d'habitude. Je code avec le cul. Oh, il a pas l'air trop mal codé en plus comme jeu. Non, c'est juste que j'aurais aimé un truc pour pouvoir choisir les touches quoi. Ça aurait été pratique quoi. Tu sais, comme dans absolument tous les jeux, quoi. Oui, j'allais le dire, c'est pas comme si c'était un truc qui se passait dans tous les jeux, quoi.
Ou même dans des jeux comme le premier Isaac, où tu pouvais pas changer les touches, il te proposait de switcher en AZERTY quand même, au cas où. Oui. Et après, t'as eu un truc pour carrément changer les touches, non? C'est dans Rebirth. Oui, mais c'est arrivé après, quoi. Ouais. Vous y êtes presque. Est-ce que je peux taper les balles? Ah non. Apparemment, non. C'est à la Raiden et tout. Taper les balles à la Raiden, c'est-à-dire? Bah, les dévier avec le katana, quoi. Ah oui, je me rappelais pas qu'il faisait ça. Il faisait ça même dans le premier... Enfin, dans MGS2, quoi. Je m'en rappelle pas du tout. En même temps, MGS2, je ne l'ai fait qu'une fois. D'accord, donc ça sert juste à rien, faut absolument que je change. Attends. Une ou deux fois? Non, deux. Je l'ai fait deux fois, MGS2. Ouais, je l'ai fait beaucoup trop de fois. Surtout par rapport au fait que je l'aime pas autant que les autres, quoi. Putain, mais la vache, y'a du monde dans ce niveau. Mais d'où vous sortez? Avec le katana, faut être immobile, ne pas bouger et avoir le bon timing. Les tarlous, ça bricole pas, frère, parce qu'il y a c'est un ongle. Ah la pute. Notre modo, hein. Notre modo. C'est devenu un puzzle game, le truc, quoi. Bah, c'est le genre de jeu avec un gameplay simple mais efficace qui pousse le truc petit à petit jusqu'au bout, quoi. Ça avait fait le coup avec Cluster Truck. Faudrait que je continue un peu, d'ailleurs. Il y a des niveaux, ça devient vachement technique et que ça exploite vraiment le gameplay jusqu'au bout, quoi. Vraiment obligé de me hurler dessus que quelqu'un me suit sur Twitter. T'as un nouveau follower et ça te le gueule. Mais bah, surtout ça me le gueule pas tout le temps, quoi. Oh mais j'en ai marre des ennemis qui me spawnent dans le dos. C'est chiant au bout d'un moment. Nada a pas l'air. Je sais pas, mais t'as pas l'air. Hein? Ah bah j'ai pas l'air du tout. Hein. Mais merde. Ça, c'est toi? Non. Je suis toi. Mais ramasser une arme, ça te condamne quasiment à chaque fois parce que ça fait accélérer le temps. Oui, mais les armes sont indispensables. Bah oui, c'est ça.
Niveau de porc, quoi. Mais si tu es moi, moi qui... Je suis qui? Mais tu es le balai à chiottes. Nous sommes au noyau. Mais au noyau de quoi? Oui. C'est génial ce qu'on va. Petite musique à la Deus Ex. Je crois que ça merde encore à l'Airbox. Je sais pas. Ça a l'air. Honnêtement, ça a l'air. Je me demande vraiment ce qu'ils sont en train de foutre. Je vais hot switch avec le noyau. Ils vous ont traîné. Mais quoi, mais eux? Le jeu me laisse pas faire ce que je veux. Ah, le salaud. C'est vraiment qu'un enculé. Enfin, c'est pas le jeu, mais c'est en gros le... Je dois pirater un truc et c'est... j'ai un accès refusé, quoi. Le jeu me précise bien là parce que j'ai fait plein de headshots. Il m'a dit que c'était inutile mais c'était cool. Oh, je l'avais pas vu l'autre à droite. Dernier niveau, disons, il y a beaucoup qui sont d'accord pour dire que c'est une purge. Et c'est celui-là. Ouais. Quoi, t'es au dernier niveau? J'en sais rien. Ça peut. Le jeu ne te donne pas vraiment une très grande indication de ta progression. Hein.
C'est un speedrun mais lent. C'est un slow run du coup. Oui. Je crois que j'ai jamais entendu le terme. J'y ai déjà pensé plusieurs fois, mais je me suis dit que ça serait très, très débile d'un point de vue. C'est marrant comme nom d'émission à la con, le slow run. Mm. Je suis quand même dans un niveau qui m'empêche d'utiliser une technique qu'ils m'ont appris il y a 2 secondes. Nous sommes en réalité qu'une illusion fruit de la folie de 2 hommes. Et le plot twist d'une chaîne YouTube qui monte depuis plus d'un an, au final tous ses followers sont que des illusions imaginées par les deux esprits de gens perturbés mentalement. Ce sera un bon plot twist pour une vidéo genre le fou. De Bienvenue chez les fous. Mmh. Comme ça a l'air d'être son délire, Ouiga. Ouais. C'est con parce que Bienvenue chez les fous, j'aimerais vraiment aimer son contenu. Parce qu'il y a un travail de taré derrière, mais Ouiga, je comprends pas qu'il prenne autant de temps à faire ça. C'est un perfectionniste de malade. Mais j'accroche pas à l'humour ou au type de format. Et pourtant, ouais. Je reconnais volontiers qu'il y a un taf de malade derrière, et surtout que le gars est super sympa. Donc c'est tellement, ça me fait chier parce que j'aimerais aimer son contenu. Putain, mais... C'est vraiment pénible par contre que les fusils à pompe soient random. Parce que dans un jeu normal, ça pose pas de problème, mais là... Mais là, ça me fait vraiment chier, quoi. C'est châteux dans ce monde. Je me suis fait tirer dessus par le mur. Un slow run, vous prenez plusieurs parties intenses d'un jeu et vous l'arrangez à votre sauce. C'est-à-dire que nous on fait pas vraiment dans le format lent. Bah oui, non. Oh putain, faudrait que je fasse un montage inversé de nos vidéos habituelles. Tu sais, où je cut en gardant que les passages drôles ou dynamiques. Bah je cut pour tous les moments de blanc, je laisse que le blanc et les blagues pas drôles. Oh putain, ce serait ignoble à voir. L'intérêt du truc. Comme quoi tout ce qui est original n'est pas forcément bon. Non. C'était Mambo qui m'avait dit, il te l'a dit sûrement aussi parce que tu devais être là sur les confs. Si c'est une chaîne YouTube, je l'invite à le faire parce qu'il a un humour à la con, ça marcherait sûrement. Ce serait de faire par exemple des streams avec la cam qui est mal réglée, on voit juste les yeux et le haut du front. Mais ça c'est un truc que c'est une blague que je fais assez souvent quand je peux, genre dans Pokémon Soleil et Lune, tu peux prendre une photo de ton personnage pour illustrer ta carte de dresseur, et c'est comme ça qu'elle est cadrée. Ou alors un truc à la con qu'il avait dit, je trouve que c'est une excellente idée, sa première vidéo sur sa chaîne, ce serait une FAQ. Ah non, mais je le relance de temps en temps, mais il faut qu'il fasse, parce qu'il a tellement des idées à la con, quoi.
Il faut qu'il fasse ça. Quoi. Ça va lent, putain. Ça va vite lent. Oh là là, qu'est-ce qu'on se ferait chier. J'ai fait ça sur le montage de notre vidéo en cours de 1h10, je passe à 55 minutes environ. Tu comptes uploader une vidéo de 55 minutes ? Le chat est bug sur le live. Je sais, oui, il, est, il est désactivé, c'est pas pareil. Ah non, mais les dons et le chat déconnent à plein régime, là, on sait pas pourquoi. Pour ça, je crois qu'il y en a un ou deux qui ont fait des dons, mais ça s'est pas affiché du tout. Quoi. Oui, il y a eu deux dons test de 1€. En gros. Ah, ça va, entre guillemets. Ça fait chier quand même. Oui. Après, à l'Airbox, c'est super rare qu'ils fassent des gros changements qui merdent. Bon, on va leur pardonner. Putain, hein. Merde. Ah, j'étais presque. Un truc que je sais, il faudrait que je fasse pour continuer à dessiner un peu parce que là, par le nouveau Kirby en cours, j'ai pas trop idée. C'est c'est un truc à la con, mais ça me ferait marrer. C'est faire des keyblades personnalisés selon le personnage. Oui, j'imaginais celle de Biotech. J'ai juste l'idée du porte-clés au bout. C'est forcément le symbole, oui, le symbole souffre. Le symbole pas souffre. Me coucher, je vais quand est-ce que mon nouveau concept va être upload? Bah déjà quand j'aurai réussi à le monter. Parce que pour le moment il est en... Il est... J'ai tout fait, il me manque plus que le montage à faire. Et quand je dis plus que, c'est la plus grosse partie. Le 30 février, oui. Sorti le 30 février, ah bah bien joué. A plus là, le bruit. Bonne soirée à toi, merci d'être passé. On fait pas les lives les plus excitants du monde, mais c'est quand même sympa. Et surtout que là, je suis vraiment dans le mode le
je suis dans la fin du jeu, donc le... Enfin, je suppose. Ça y ressemble, en tout cas. Des bisous aux gens qui partent, oui. Et du coup, les niveaux sont durs. Une vidéo gaming avec seulement du facecam. Ce serait pas mal, avec du montage et tout. Je vais soumettre l'idée à Mambo, on sait jamais. Je vais le pousser à ouvrir une chaîne YouTube à la con. Il va le faire. Putain, mais c'est pas vrai! Je pourrais être plus prudent et regarder toujours autour de moi, mais tourner la caméra fait avancer le temps. Et du coup, tu dois vraiment connaître ton environnement et savoir ce qu'il y a autour de toi. Mais surtout que je dois connaître par cœur le spawn des ennemis, quoi. C'est un try and die un petit peu. Hein. Try and error, mais oui. Oui. Mais ouais, c'est un jeu comme ça, mais c'est quand même vachement perturbant de ne pas savoir. De pas savoir où sont les menaces, quoi. Sachant, ouais, j'entends bien. Sachant que tu te fais one shot, quoi. J'entends bien. Un face cam. Oui, je l'ai vu, le face cam. Face. Mais oui, mais vas-y. De quoi? La décharge de pompe dans la gueule. Qui ne tue pas, c'est ça? Non, si, elle a tué, mais elle était surtout un peu... Genre, il l'a tiré alors qu'il était mort, quoi. Oui. Un vlog sur Overwatch. Qu'est-ce que tu chantes? Je vois même pas comment c'est faisable.
Un vlog sur Overwatch? Oui, je l'ai déjà dit. J'ai dit, je vois même pas comment c'est faisable. Ah oui, si on visitait les studios de développement, oui. Mais un vlog sur Overwatch? Vlog à la con, comme quoi on va l'acheter en boutique et tout. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? C'est pas tout de suite les OPSP Blizzard. Hein. Oh non. Hitbox sur 20, les... Bah un peu, ouais. Putain, mais plus de balles, mais... Bordel... Non, mais c'est... J'ai l'impression que le nombre de balles, surtout dans les... dans les fusils d'assaut, sont random. Mais cette blague, elle est répétée dans le chat depuis tout à l'heure. Laquelle? Le chèque pas de patte, on le sait. Le quoi? Il y en a qui spam la blague du chien qui n'a pas de pattes, comme on l'appelle. Oh oui, on l'appelle pas. Ouais, ouais, on va le chercher, évidemment. En soi, la blague est drôle, mais faut pas la spam de partout, sinon ce n'est plus drôle. Bah, c'est le principe des blagues, en fait. Non mais j'aime bien me prendre les balles en les évitant en fait. Dans la rue, je sais pas si vous croisez un autre joueur, dites salut Gérard ou pas, il y a une réunion à 14h, voilà un vlog sur Overwatch. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Parce que finir mon boulot. Mais qu'est-ce que tu fous sur nos lives, t'as du boulot? Tu penses qu'on le termine dans combien de temps ce live? Je sais pas. J'espère pas trop me coucher tard. Bah si j'arrive à passer le niveau sûrement vite.
En même temps, j'ai un peu l'impression qu'il y a de l'aléatoire. Et pour un jeu comme ça, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Il n'y a pas de l'aléatoire dans le placement des ennemis, mais dans les actions qu'ils font et les... Et les, la trajectoire des balles. Je peux pas changer le début, faut forcément que je le fasse comme avant, parce que sinon... Et voilà, là il y avait une balle en moins dans le flingue. Comment je fais moi si je peux pas faire les mêmes actions à chaque fois? Je t'entends plus du tout. Ouais, parce que je viens de passer le passage chiant et je suis en train de regarder la fin. Enfin, la fin, ce qui se passait après la mission, quoi. Bon, ça devait pas être la fin, il me dit vous êtes encore faible. Je crois que le jeu il te trash talk. C'est possible. Mais. Arrête de faire l'enfant, le jeu. Quelque chose vous retient. Vous devez vous libérer. Oh, faut que... Votre esprit virtuel.
Mon corps me revient. Fin du jeu, vraiment? C'est possible. Il me semblait qu'il était beaucoup plus long, ce jeu. J'en sais rien, après je dis ça, mais c'est pas obligé. Ah bah, là, je dois m'assassiner tout seul, donc... Ah, mais tu me spoil. Mode infini débloqué. Je pense bien que j'ai fini. Hein. Sauf que... si court. Bah... Ouais. Ou alors c'est que je suis incroyable. Ouais, non, il est très court. Donnez le contrôle. One of Us. Le nom du succès. Il y a de la musique et tout. Si, c'est fini. Non. Je reviens pas qu'il soit si court. Je sais pas d'où ils viennent les développeurs, mais ils sont imprononçables leurs noms. Piotr Ivanaki Cesari Skor. Punka, c'est que des trucs comme ça. C'est l'Europe de l'Est, ça, non ? Hein ? C'est l'Europe de l'Est, là ? Sûrement, c'est. Et là, il y a une chanson. Et il y a de la chanson en. Quel bruit, toi ? Non, mais c'est parce que je suis allé vachement. Je fais défiler le générique ultra vite. D'accord. D'ailleurs, putain, c'est quoi tout ce monde ? C'était le Kickstarter ? Kickstarter. Mais il y a beaucoup trop de monde. Fin de transmission. Pologne, Biélorussie, Russie, Lituanie, Estonie, Lettonie, oui. C'est un truc comme ça. Il nous faut plus, donnez-nous vos amis, donnez-nous des noms. Dites ceci à vos amis. C'est le FPS le plus innovant auquel j'ai joué depuis longtemps. Le jeu, il se fait de l'auto-promo à la fin. Et il s'auto-pompe là. Oui. N'en dites pas trop. Gardez le secret. Comme une autre réponse, il y avait on lui apprend la télékinésie puis on l'appelle. Félicitations, vous pouvez maintenant jouer à Super Hot pour toujours. Jouer pour toujours. Jouer au mode infini, terminez les défis et entraînez-vous. Parlez du jeu autour de vous. Vous en êtes responsable maintenant. Partagez vos replays sur killterest.com. Ça attirera plus de joueurs. Nous vous surveillons, faites-nous honneur. C'est flippant. Appuyez sur échappe et mettez-vous au travail. C'est trop flippant. Ouais, donc j'ai débloqué le mode level, le mode endless, le mode challenge. Après, peut-être par le mode infini qui est vraiment intéressant, c'est là que le jeu a une grosse durée de vie. Peut-être, ouais. Actualiser ça, voir s'il n'y a pas des trucs qu'on a loupé en attendant. Non, c'est bon. Tac. Bon, bah c'était un let's play de Super Hot. Super court, mais... Oh, de 2h40 pour un jeu indé, des fous. Ça va, enfin c'est... Sachant que c'est pas un roguelike... Mais c'était sympathique. Je vais foutre la musique pour la fin. La musique du début.
On essaiera de faire en sorte que Airbox marche pour les prochains lives. Bah c'est pas de notre fait, hein, mais... Oui, on essaiera de restreamer quand ça marche. Ouais. Je vous fais des bisous sur vos parties poilues. Ah bah, c'est gentil ça. Tu vas avoir du boulot. J'avoue. Moi aussi je suis super hot. Évidemment. Bon bah, à plus tout le monde. Et à la prochaine. Allez, merci d'être venu.